l'impression que ça va encore aller très bien pendant toute l'heure qu'on va passer ensemble. Mais attention, une fois n'est pas coutume, je vais vous demander d'applaudir tout de suite ceux qui sont nos premiers invités, qui sont là, les Tourekunda. Et pendant que je demande aux Touré de descendre, vous rejoindre sur le plateau, je vais vous annoncer quelques-uns des invités qui seront là aujourd'hui. Il y a ceux que vous allez, celles que vous allez apprendre à connaître au cours de l'émission, les Calamités. Les Calamités, puis il y aura également Pigeon tout à l'heure. Aussi Yana Katsoulos, on retrouvera Elsa, on retrouvera Mister Mister et on retrouvera aussi Samantha Fox. Entre autres, il y aura d'autres surprises. Mais tout de suite, attention, la famille éléphant va nous chanter Toubapi, parce que c'est comme ça qu'on les appelle, la famille éléphant. Voici les Tourekunda. Les trois frères Touré. Alors d'abord, je veux savoir, Toubapi, c'est qui? C'est nous? C'est moi? Oui, c'est toi, c'est les amis, c'est tous les Toubabs, comme nous, on nous appelle tous les Noirs. Ouais, alors les Toubabs, faut traduire quand même, Toubab, ça veut dire blanc en fait. Ouais, c'est ça. Donc nous, on est tous des Toubabs. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, c'est que je crois que vous préparez pour le mois de janvier un truc qui va être génial en Afrique. Alors qu'est-ce que ça va être? Qui en parle? Qu'est-ce qui va se passer exactement? Ça va être un gigantesque concert? Oui, nous envisageons vraiment de faire, c'est pour la première fois, Tourekunda, avec l'association Africa Santé, oui. Avec des artistes comme Alpha Blondie et le Kassav.
Alpha Blondie, Kassav, Touré Kounda. Voilà, faire un grand concert le 9 janvier au Stade de l'Amitié, un stade qui prend 5000 personnes. Ouais. Et dans un but humanitaire, tout simplement. On collecte en ce moment des médicaments pour ceux qui peuvent nous aider. Voilà. Et faire un grand concert, donc toute la recette est remise au gouvernement sénégalais au profit du ministère de la Santé. Voilà, donc un grand concert de bénéfices pour la santé au Sénégal. Ce sera devant plus de 100 000 personnes, ce sera au mois de janvier. Je ne peux pas vous dire qu'on y sera, mais en tous les cas, on sera de tout cœur avec eux, d'accord ?